è stata una partita sofferta, avete vinto nei supplementari, sembrava il mondiale di football, sembrava. Sì, no, erano forti loro, ci è andata una partita decente. E oggi, guarda, ci siamo divertiti un casino. Avete vendicato la sconfitta, la seconda sconfitta consecutiva nel Tri Nation? Non lo sapevamo neanche, quindi guarda, grazie comunque. Your opinion? It was a tough game, but it's the one we expected, and the boys stepped up and pulled through and put in a hard game. So good effort, thanks very much. Yeah, boys! Yeah, di sfondare il muro, non ce la fai, è tu nuova rapore del Sudafrica. Che corre, va a tuffarsi da sola a segnare la quarta meta. Continuiamo a conoscere le squadre di questo torneo, questo rugby vice. Siamo nel momento dei Belgi. Allora, qu'est-ce que tu me peux raconter? Ça vient passé quand même. Pour l'instant, on a une victoire et une défaite, donc il nous reste à jouer les Pays de Galles et pour essayer de se qualifier donc pour le plate juste après. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, oui. Pourquoi ici en Italie, vous? Alors en fait, on est venu suite à un match des Macaresi qui sont venus en fait en Belgique à Ostende et on les a rencontrés en finale et les contacts ont été pris grâce à ça à l'époque du tournoi en Belgique. En Belgique, ça commence à aller le rugby. Oui, pour l'instant, ça devient de mieux en mieux. On est passé de 5000 licenciés à 10000, donc il y a du beach rugby, il y a un petit peu tout, donc c'est vrai que pour l'instant, c'est de mieux en mieux, oui. Bon courage pour demain. Oui, c'est gentil, merci. Siamo con i nostri amici francesi, i nostri cugini francesi, on parle en français. Hein? Alors, raconte-moi ton expérience maintenant avec le rugby beach. Bah, c'est la deuxième édition où on vient à Lignano. On avait terminé en 2008, on avait terminé deuxième. Bon, là, on a une équipe qui peut jouer éventuellement le titre. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus loin et chercher le titre cette année. Présente-toi, ton nom, ton équipe, ton club. Donc Lionel Lougier, en fait, je suis organisateur du beach rugby à Marseille. Et voilà. Toi? Alors moi, c'est Jean-Christophe Vidal, je suis le coach donc, de l'équipe de France, de Voile Beach. Et donc effectivement, c'est la deuxième édition à laquelle on participe et sur laquelle on se régale et on prend plaisir à jouer au rugby. Parce que ça joue à plaquer, parce que ça joue dans l'esprit et dans les règles du rugby. Et ça, c'est important, faire vivre le ballon. Ici à côté de moi, donc on a notre capitaine hein, qui, pour la deuxième fois aussi, est capitaine. Et il porte haut les couleurs de Oval Beach, de la France. C'est un capitaine courageux. Un capitaine comment? Courageux. Oui. Et combatif. Alors raconte-moi ton expérience, c'est la deuxième fois que tu viens ici. C'est la deuxième fois que je viens, c'est un bonheur de venir ici. Le niveau du rugby est bon, je trouve que cette année c'est encore plus fort que quand on était venu il y a deux ans. Voilà, c'est un bonheur, il y a du monde, ça joue bien au rugby, l'état d'esprit est génial, les joueurs sont sympas, après on fait la fête tous ensemble. Bon courage, ok? Merci beaucoup. Merci. Okay.